Ja, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Da die beiden natürlich viel mehr wissen als ich, sage ich zu Beginn was. Danach hätte ich ja nichts mehr zu sagen. Aber davon abgesehen bin ich auch stolz auf alle Stellvertreterinnen und Stellvertreter, die ich kenne. Die anderen muss ich noch kennenlernen, da freue ich mich aber auch drauf. Ich finde nochmal, dass Pierre Laurent eine fantastische Arbeit geleistet hat und dass er bereit ist, jetzt als Vizepräsident mitzuwirken, finde ich auch sehr gut, weil er genau einbezogen ist in die Bildung dieses ständigen Forums, was wir dringend benötigen. Ein Kongress jedes Jahr, wo wirklich wichtige europapolitische Fragen breit besprochen werden. Wir werden eben auch Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter einladen, auch Vertreter von Kirchen einladen, also von unterschiedlichsten Einrichtungen, die sich mit diesen Themen befassen. Ich habe das gestern schon gesagt, für mich ist es ein neuer Lebensabschnitt, es ist eine neue Aufgabe. Was habe ich mir vorgenommen? Zunächst habe ich mir vorgenommen, natürlich nach Brüssel zu fahren, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenzulernen. Ich habe mir aber auch vorgenommen, die Mitgliedsparteien zu besuchen, aber das geht nur Schritt für Schritt. Das sind ja nun 25 Mitgliedsparteien und 6 Beobachterparteien. Ich habe mir auch vorgenommen, noch weitere Parteien für eine Mitgliedschaft zu gewinnen. Auch nicht so leicht. Und dann möchte ich mit den Oberen in Europa sprechen, also man nennt sowas einen Antrittsbesuch machen, um ihnen deutlich zu sagen, dass sie dabei sind, die Europäische Union kaputt zu machen. Kaputt zu machen. Wenn die nicht sozialer, nicht demokratischer und vieles andere wird, was ich ja gestern auch in meiner Rede gesagt habe, wird es immer mehr Mehrheiten von Bevölkerung geben, die die EU ablehnen. Und gegen die Mehrheiten der Bevölkerung kannst du eine Struktur nicht aufrechterhalten. Daran darf aber die Linke nicht schuld sein und ist sie auch nicht schuld, sondern das ist das Werk einmal der Rechten, aber zum anderen eben auch derjenigen, die die Verantwortung tragen für Europa und Europa völlig falsch orientieren. Ich möchte, dass die Linke leidenschaftlicher wird, lebendiger wird, dass wir ein wichtigerer Faktor werden und zwar in allen wichtigen europäischen Fragen, vor allen Dingen auch gegen die Entwicklung von rechts, auch gegen die Militarisierung der EU und gegen viele andere Bereiche. Das habe ich mir vorgenommen. Außerdem möchte ich, dass wir natürlich mehr Öffentlichkeitsarbeit leisten, also mehr Sie, die Journalistinnen und Journalisten, erreichen. Dann möchte ich natürlich, dass Sie auch mehr über uns berichten. Wie ich das hinkriege, weiß ich noch nicht. Dann möchte ich auch noch, dass Sie fair über uns berichten. Also Sie sehen, ich habe viele Wünsche. Aber ich bin immer ein Zweckoptimist und wenn ich mit etwas anfange, gehe ich erstmal optimistisch ran und sage mir, das wird schon irgendwie werden. Schönen Dank und jetzt übergebe ich gern an meinen Nachbarn oder meine Nachbarin erst. Bueno, muchísimas gracias, Gregor. Yo en primer lugar decir que estoy muy orgullosa de seguir en la presidencia del Partido de la Izquierda Europea. Es para mí un honor seguir en este trabajo. Ah, bon, alors en français. Ok. Et bon, pour moi, c'est un plaisir de continuer à être dans le parti de la gauche européenne. Et c'est très, très, très important pour moi. Et je suis aussi très honorée de commencer à travailler avec Grégor, avec Pierre. On a travaillé déjà 6 ans, mais je suis sûre qu'on va être capable de faire 2 choses. La première, c'est continuer avec les travaux internationaux que nous sommes en train de faire, notamment avec le Forum de Sao Paulo, avec l'Afrique. Nous sommes en train de faire la conférence de la Méditerranée. Nous sommes en train de faire un travail international très important parce que l'Union européenne, c'est une part du monde et ce n'est pas précisément la plus large. Alors on doit continuer à travailler dans la politique internationale. Et deuxièmement, nous devons entreprendre de nouveaux défis. Et un défi très, très important, c'est nous ouvrir aux mouvements sociaux, aux syndicats et ne pas travailler les partis seuls. Nous avons besoin de la chose plus importante, sur mon point de vue, qu'on a prouvé dans ce congrès-là, que c'est faire un forum annuel où on va travailler avec d'autres pour élargir. Parce que nous ne sommes pas dans une situation de crise. Nous sommes déjà avec une crise installée et c'est une crise systémique. Alors nous devons essayer de travailler avec toutes les forces
qui sont contre le racisme, contre la xénophobie, contre l'égalité hommes-femmes, nous devons faire ce travail parce qu'à ce moment-là, on n'a pas arrivé à le faire. Alors nous avons besoin d'aller plus loin. Alors merci beaucoup et on va continuer à travailler ensemble, j'espère, pas seulement nous trois, sinon l'ensemble du comité exécutif et l'ensemble des partis. Merci. Merci Maïté. Voilà la parole à Pierre Laurent. Oui, juste un mot bref pour dire évidemment ma fierté d'avoir conduit dans les meilleures conditions à Berlin ce cinquième congrès du Parti de la gauche européenne et de pouvoir transmettre le flambeau de la présidence à Gregor Gysi. Nous allons continuer avec Maïté à travailler à ses côtés et avec d'autres vice-président et un bureau exécutif rajeuni, un bureau exécutif à parité, un nouveau secrétariat politique. Donc ça a été un congrès très offensif et je crois qui nous a permis d'accueillir, nous l'avons fait en fin de matinée, six nouvelles forces dans le parti. Donc c'est un parti européen qui continue à s'élargir et qui devient progressivement... je crois, un des acteurs majeurs de la vie politique européenne. Et c'est indispensable parce que l'Europe est dans une très grave impasse. Les politiques néolibérales ont mis l'Europe dans une crise terrible. Et nous ne sortirons positivement de cette crise que par la porte de la gauche. Et la décision la plus importante prise par notre congrès... et de remettre décidément les forces de gauche à l'offensive dans toute l'Europe pour barrer la route à la montée des populismes de droite et d'extrême droite qui fleurissent, qui surgissent dans les plaies de la crise actuelle. Et nous voulons mener un travail de rassemblement le plus large possible. L'unité a été un des thèmes principaux de notre congrès, l'unité des forces de la gauche européenne, mais l'unité que nous voulons élargir, comme l'ont dit avant moi Grégor et Maïté, à de nouvelles forces. Et l'initiative que nous prenons de l'invitation à toutes les forces disponibles pour construire avec nous un forum européen annuel progressiste, des forces progressistes, évidemment va maintenant... devenir un rendez-vous central de la vie politique de toutes les gauches en Europe. Et nous avons aussi accueilli à notre congrès la secrétaire générale du Parti des écologistes européens, Marc Garcia. Et ce travail d'élargissement va être au centre. Nous avions intitulé notre congrès « Construire des alliances pour une Europe de la solidarité ». C'est notre cap fondamental et je suis certain qu'avec Grégor, nous allons mener ce travail de manière offensive et, comme il l'a dit, optimiste.